vas bien? Super. Coucou mon Joseph. Ah bah ça va pas du tout, qu'est-ce qui se passe? Oh bah je viens de perdre une affaire là, c'est un peu galère. Je vais avoir du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, juste. Ah merde. Bah t'as qu'à poser ta candidature ici. Qui voudrait d'un homme qui n'a pas de situation? Oh c'est pas la question, tu poses ta candidature là et puis c'est réglé. Oui, mais à qui? Bah Sylvie. C'est Sylvie qui gère tout ici. Mais je ressens rien pour elle moi. Mais c'est pas la question. Tu sais, ça peut aussi se faire sans amour. Non, attends, tu es sérieuse, là? Je t'ai dit que je n'aime pas Sylvie, j'aime quelqu'un d'autre. Non, mais d'accord, mais je vois pas pourquoi tu mélanges le boulot et les sentiments. Faut grandir un petit peu, là, mon Joseph. Mais de quel boulot tu me parles? Je t'ai dit, j'ai plus d'affaires, j'ai plus rien, je repars de zéro, en fait. Et c'est pour ça que je te dis de poser ta candidature maintenant. Tout de suite, là? Oui. D'accord. Charlotte, je t'aime d'amour et d'eau fraîche et je voudrais postuler ton amour si tu es d'accord. Oui, je vais t'aider à faire ton CV. Ah, j'ai pensé qu'il fallait concrétiser. Non, 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 j'ai l'impression que t'en fais des caisses. On parle de ce qui nourrit, hein. En plus, un CDI, un CDD. Oh. Allez, papier stylo, c'est parti. La suite des épisodes arrive mercredi prochain, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rose Mécanique et à activer la cloche.